Le samedi matin, oui, s'il y a besoin, oui, pas de souci. Depuis le début de la semaine, les livreurs de fioul sont débordés par les commandes. Et pour cause, c'est le début de l'automne et ses premières gelées matinales. Sauf qu'aujourd'hui, on approche de 1 euro le litre. Le prix a presque doublé en 2 ans. Ce couple de retraités en a fait les frais. Heureusement, on habite la campagne. Je cultive un jardin. J'élève quelques volailles. Économie substantielle. Sur les plaisirs, restaurants maintenant très peu, sorties réduites. On baisse quand même la chaudière d'un degré, quitte à mettre une petite laine le soir. Le fioul, c'est la troisième énergie de chauffage en France. Il équipe 21% des foyers individuels. Et les livreurs ont constaté des changements d'habitude. Et ce que l'on constate chez nos clients, c'est que les pleins sont fractionnés ou sont complets, mais avec des échelonnements de paiement en 3 ou 4 fois pour faciliter le pouvoir d'achat, parce qu'avec la période de septembre est une période où il y a les impôts à payer, donc on est obligé de, faire des facilités de paiement pour les clients. Seulement, les prix ne devraient pas baisser dans l'immédiat, en cause notamment un marché pétrolier instable qui tire les prix vers le haut. Le baril est resté longtemps aux alentours de 70 dollars. Là, on est plutôt à 80, voire passer les 80, et les perspectives ne sont pas à la baisse. Et une taxe supplémentaire. Le montant des taxes n'est pas tout à fait encore établi, mais le fioul sera taxé, le gasoil et les essences au 1er janvier. Seule consolation pour notre région, la présence importante de dépôts de pétrole qui réduit le prix du transport. Au final, les usagers gagnent quelques centimes par rapport aux Parisiens.